Voilà, bonjour, je suis à l'école. Comme vous pouvez le savoir, vous pouvez le voir. Tout ça, ce n'est pas quartier, hein, c'est l'école que vous voyez comme ça là. Voilà, je suis à l'école. Les gens sont en train de couper les bois ici. Voilà. Le brouillard fait qu'on ne voit pas bien. Voilà. Là, je suis dans la salle de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais tout le monde peut venir se recueillir ici. Et ça, c'est moi qui suis installé là. Depuis 5h du matin, je suis en train de faire mes exercices. Voilà, je suis en train de faire mes exercices depuis 5h du matin. Je suis venu ici à 5h du matin. Tu peux t'imaginer, tu ne peux pas croire, non? Ouais. Sinon, on a gros cœur de ça. Il n'y a personne ici rentré, mon frère. Voilà, donc depuis je suis là, ça c'est ma pause. Vous voyez que tout ça, c'est des notes. Faire des exercices en ligne, tout ça. Voilà. Donc, je fais ce petit direct pour parler un peu de celui qui est parti en François et qui est revenu en Françoise. Désolé pour le bruit. Ils sont en train de couper les arbres. Il est parti en François, il est revenu en Françoise. Ce monde a vraiment besoin de Jésus-Christ. Merci aux 25 personnes, merci d'être là. Je suis plus que vainqueur. Quand je disais hier que la vie chrétienne, éviter le péché, fuit le péché, fuit la tentation, comme la Bible nous le dit. Yeah! Ça les a loupés, hein? Ils sont allés couper les arbres ce matin. Ce n'est pas forcément et seulement pour le paradis. C'est pour la vie sur terre. C'est pour ne pas être transformé par Satan. Voilà. Si tu n'es pas transformé par la parole de Dieu, tu seras transformé par l'ennemi. Ça, c'est sûr. Si tu n'es pas transformé par la parole de Dieu, tu seras transformé par l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit soyez renouvelés par la. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ici, le mot intelligence, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Jésus et à sa parole. Car sa parole va nous transformer. Si nous sommes transformés par la parole, alors le monde ne pourra pas nous transformer. Mais si nous ne sommes pas transformés par la parole, le monde va nous transformer. Le monde aura raison de chacun et de chacune, de ceux qui refusent d'être transformés par Jésus. Ce monsieur que vous voyez est un homme robuste, en forme, grand de taille. Sa mère n'en revient pas. Je vous montre la photo. Ce monsieur-là est un homme grand de taille. Regardez, regardez. On dirait un athlète. Sa mère est étonnée. Elle est partie voir son fils. Elle est partie prendre son fils à l'aéroport au Nigeria. Voilà son fils qui a porté perruque. Petite robe, on dirait une femme. Avec des cuisses, avec des nerfs. Il est devenu femme. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et quand tu parles, on dit tu critiques. On dit tu juges. Quand tu parles de la part de Dieu, on dit tu juges. Il aime juger les gens. Mais je l'ai dit la fois dernière. Le monde lui-même va vous juger. Les événements qui vont vous arriver, c'est ça qui va vous juger. Voilà. Nous, on ne fait que parler. Prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Chers frères et sœurs, je suis très au sérieux quand je vous parle de la part de Dieu. Ok? Et comme j'ai cours à 9h et qu'il est déjà 8h, je vais évoluer dans mes exercices. Parce que vous voyez, j'ai seulement 30 minutes pour finir cet exercice-là. Vous voyez ici, j'ai seulement 30 minutes, 36 minutes. Je suis sur 51, sur 71. Vous voyez que je suis un peu coincé. J'ai répondu à 51 questions, sur 71 questions. Et puis, il faut le trouver avant de passer. Tant que tu ne trouves pas, on te ramène en arrière. Donc, je vais me concentrer pour terminer ça. Je vous bénis et je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a aucune étoile aujourd'hui. Hein? Personne n'a donné des étoiles. Ni des cœurs, ni des partages à l'évangéliste plus que vainqueur. Mais ce n'est pas grave. Merci quand même. Merci aux 35 personnes. Merci à vous qui êtes là.
Et pensez-y, si je n'étais pas coincé, j'allais faire le direct jusqu'à ce qu'il soit 9 h. Mais je dois finir mes exercices. Et je m'en excuse pour cela. C'est des vidéos en anglais, il faut regarder. Il faut écouter et répondre aux questions. Il faut aussi lire et répondre aux questions. Et ce n'est pas du tout facile. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je dois répondre encore à tout ça. 51, 6, 71. Voilà. Donc, c'est pas facile. Et c'est en anglais. C'est en anglais. Donc, il faut que je vous laisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Quelqu'un dit, mais tu es seul, il faut enlever le masque. Il fait très froid. Donc, ça m'aide aussi à pouvoir avoir la chaleur. Voilà, il fait très froid. Il fait très froid. Vous allez voir qu'il y a le brouillard là. Voilà, donc, et puis c'est interdit d'être sans masque, même si tu es seul. Voilà, c'est interdit. Ils ont des signes bizarres partout là. Voilà. Donc, tout ça, c'est mieux de mettre ton masque pour éviter les choses, quoi. Parce que les gens commencent à venir. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des questions bidons que les gens me posent, à part le masque. Ça, c'est pas bidon. Mais je vois une question. Une question, non, on appelle ça en anglais nonsense. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais d'ailleurs vous laisser. Voilà. Ça, c'est l'armée nationale américaine qui m'avait envoyé ça par la poste. Tout ça pour me séduire pour rentrer dans l'armée. Mais je ne suis pas prêt pour rentrer dans l'armée. Vous voyez, non? Voilà. Army National Guard. Si vous voulez la gendarmerie américaine. Je ne rentre pas dans l'armée, les frères. Voilà. Nous, on veut investir. On veut faire des affaires. Bien, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et puis je crois que à la prochaine. Voilà, merci.